L'Orient Composite Valais, c'est une communauté d'acteurs de l'industrie des composites, essentiellement, historiquement, dans le nautisme, la course au large et autres, mais qu'on est en train de transformer vers une industrie durable du maritime. Moi, je suis arrivée il y a 20 ans à Lorient avec un projet de création d'entreprise. On était tous les deux avec mon mari. Et à l'époque, on voyait émerger les premiers chantiers un peu grande dimension et toute une activité autour de la base des sous-marins sur les composites. Cette petite communauté s'est transformée en une grande communauté. Nous, l'entreprise est passée de 2 à 120 personnes. Et toute cette croissance et ce savoir-faire qu'on a développé aujourd'hui a toute sa légitimité pour rayonner au-delà de Lorient, bien sûr. L'image du territoire peut-être sur cette partie composite, on est quand même historiquement sur des activités d'artisanat industriel. On va passer sur des activités industrielles durables et qui prennent en compte toutes les contraintes liées à l'environnement. Je pense que la question se pose et tous les acteurs sont proactifs pour que ces sujets soient au cœur de leur développement. Et au-delà de ça, on aura des étudiants formés à nos métiers, des compétences, donc avec des seniors parfaitement à même de transmettre des compétences et des projets qui vont aller de plus en plus fort puisqu'on est dans l'allègement, on est dans l'économie d'émissions de CO2 sur des véhicules qui sont certes maritimes mais qui pourront aussi aller voir sur d'autres mobilités.